Brice Landreau, vous vous déplacez ce week-end à Mayol. C'est un gros match contre une des meilleures équipes d'Europe. C'est des matchs intéressants à jouer pour vous, non? Ah, c'est des matchs exceptionnels, des matchs qui sont rares parce qu'on va jouer effectivement une des meilleures équipes d'Europe, mais surtout celle qui aujourd'hui est leader du championnat de top 14 et avec une ribambelle d'internationaux. Donc il va y avoir je sais pas combien de centaines de sélections à travers les différentes nationalités. Donc ça va être vraiment un moment exceptionnel, en plus dans un stade qui sera archi comble et avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau français. Donc on est très très heureux de pouvoir participer à cette rencontre demain et on espère surtout faire une belle prestation. D'accord. Vous aviez fait un super match contre Clermont, même si vous aviez perdu. Toulon, c'est un cran au-dessus encore? Je pense que physiquement, c'est un cran au-dessus. Ce qui détermine enfin, la différence avec Clermont-Ferrand, c'est que Toulon a la puissance, une puissance exceptionnelle. Toulon, aujourd'hui, c'est un vrai rouleau compresseur et c'est leur type de jeu, leur caractéristique. Donc on va devoir se baisser, s'opposer et puis leur proposer, nous, à l'inverse, eh ben, beaucoup de vitesse, essayer de déborder pas mal et de jouer sur justement nos habiletés et la spécificité de notre jeu. Donc pour vous, la clé pour les embêter, c'est d'aller au large? La clé pour les embêter, c'est de tenir le ballon le plus longtemps possible et essayer de les déplacer un maximum. Même s'ils ont une excellente ligne défensive, mais il n'y a que comme ça que l'on pourra avoir une chance de les surprendre et d'inscrire des essais. Si on décide de faire l'épreuve de force contre eux, forcément on n'a pas la même, pas la, on n'est pas monté pareil, donc ça va être, ce sera un peu plus compliqué. Honnêtement, cette équipe a fait peur ou c'est très excitant à préparer? Oh non, c'est formidablement excitant, c'est extraordinaire. Je disais, si j'avais été joueur aujourd'hui à la place de mes gars, je pense que j'aurais pas dormi depuis 3 jours parce que jouer ces idoles, parce qu'on les a vus à la télé, on les a supportés. Parfois, peut-être qu'il y a même des jeunes joueurs qui avaient dans leur chambre des posters. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et on va vivre un moment exceptionnel parce que Mayol. L'entre-deux Mayol, aujourd'hui, avec tous ses supporters, avec ses chants traditionnels, tout ça, c'est quand même quelque chose de fort et puissant et qui n'existe qu'à Mayol aujourd'hui. Donc vraiment, savourons, profitons. Et puis voilà, il faut qu'à la fin, on ait le respect et les applaudissements du public. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour ce match alors? Eh bien, on va dire prendre beaucoup de plaisir, nous montrer sous notre meilleur visage et puis pousser les Toulonnais à la faute et croire surtout à notre bonne étoile. Pourquoi pas? Pourquoi pas?